Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver sur mes chaînes, donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu de téléphone, Ninja Defender 4 Shinobi. Ce jeu est sorti récemment aux environs du 8 mai 2024. Profitez d'une action de défense de tour simple et additif avec Ninja Defender. Donc nous allons tester ce jeu sur téléphone, voir ce qu'il donne, voir si ça vous tente de tester ou pas. Donc, ok. Donc, défendre votre position. Donc vous avez votre personnage. Alors, un kunai en plus. Donc là, vous avez votre position, vous avez la défense ici, votre vie. Là, vous avez les compétences. Là, ça fait les flammes. Et le but du jeu, c'est de tuer tous les monstres avant qu'ils arrivent ici. Donc là, il y a 20 vagues à faire. Là, plus d'attaque. Moi, je vous conseille, c'est surtout de monter l'efficacité de votre kunai. Les pouvoirs, c'est par la suite. Donc, quand il y a une possibilité de monter votre kunai, montez-le. Voilà, avec des kunai. Voilà, un en plus. Et montez vos pouvoirs si jamais il n'y a pas dedans. Si jamais vous avez trois dedans qui sont pas des kunai, prenez quelque chose qui vous donne un nouveau pouvoir. Et après, montez un pouvoir qui est intéressant. Donc là, je fais plus d'attaque, vous allez voir. Parce que le temps que ça charge, c'est votre kunai qui tire. Donc autant qu'il fasse le plus de dégâts possible. Là, vous voyez, je fais tellement de dégâts que je n'ai même pas le temps d'avancer. Des kunai explosifs, j'ai la pression, je crois. En un coup, je tue tout le monde. Des explosions. Ça tue tout le monde sur la trace. Oui, tranquille. Ah, et bien l'autre enflammé, j'aurais dû regarder. Une aille enflammée, j'ai l'impression que c'est une flèche. Ah. Là, vous avez le temps de passer sur la partie, le nombre de vagues. En dessous, il y a un chiffre des fois pour le nombre. Donc là, j'ai déjà feu. Donc là, nouvel élément. Voilà. Et là c'est le temps d'apparition du nouveau nouvelle vague. Et je massacre tout là. Ah, c'est largement mieux. Hein. Elle va plus vite. La glace. Pour avoir au moins un de chaque. Et après, je regarde ce qu'il propose. Pourquoi ça attaque? Ah, c'est parce qu'ils sont plus dans la zone. Ok, on monte au kunai. Je fais tellement de dégâts qu'ils rentrent même plus dans la zone d'attaque. Ah, par contre, là, vous voyez, c'est plus près, un peu plus loin. Et un peu plus loin. Après, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui fait de l'AOE. Donc, l'idéal... Je pense que la foudre, c'est pour ralentir, détruire et ralentir. Le feu, bah, c'est des boules de feu. Après, je sais pas si ça explose un impact. Ah oui, ça explose un impact, donc c'est beaucoup mieux. Le feu et la glace, je présume que dès que ça touche, ça ralentit. Mais il n'y a pas photo, c'est quand même l'AOE qui est quand même mieux. Hein. Surtout par la suite, quand vous allez avancer dans le jeu. Alors, si vous avez déjà vu mes vidéos, j'avais fait, il y avait un jeu à peu près pareil, je crois que ça s'appelle Bang Bang Survivor. Sauf que là, c'était un pistolet, une mitraillette, et ça rechargeait sa mitraillette. Là, ça recharge même pas les kunai. C'est plutôt plus intéressant, plus facile. Et bien, j'ai gagné, voilà. Franchement, vous voyez, les kunai, il n'y a pas mieux. Donc, toutes les récompenses, là, je vous conseille de regarder, vous, les vidéos pour mettre double, hein. Voilà. Moi je les fais pas sinon ça va être long.
Mais moi, je vous le conseille. Alors, faut voir si je peux changer la langue. Non, pas de langage, mail, inscription, pas mal de ressources. Là, j'ai fini tout le niveau avec toutes les récompenses qu'il faut. Ok. Donc là, c'est quoi? C'est monter vos pouvoirs. Donc là, ça monte mon kunai, donc c'est parfait. Ok. Et là, au fur et à mesure que vous avancez, vous montez les niveaux. Allez, on se fait un autre niveau. Il y a différence, hein. Je mets deux coups pour tuer. Même si j'ai monté les niveaux de... Voilà. Encore deux coups, mais logiquement, dans pas longtemps, je pourrais tuer du premier coup. C'est de monter. Là, vous avez votre barre, la barre bleue, c'est niveau d'XP. On va voir tout ça. On va faire ça, tiens. Ça les touche. Ah, ça va être direct. Ah, ça va être direct. Ah, c'est parfait. Comme j'ai dit, hein, l'idéal dans ce jeu-là, c'est tout ce qui est multi-cible. Vous n'aurez pas qu'une cible. C'est sûr que vous avez qu'une cible par une cible, mais automatiquement, vous aurez des groupes à force. Ah, ça va mieux. Là, je vais aller beaucoup plus vite. Du premier coup, si je peux, je vais faire que les deux qui sont là. Je vais monter que les deux qui sont là, les kunai et le rondin. Ça va faire du dégât. Donc les grosses gélatines, le gros gélatine se divise en plusieurs morceaux. Ça va mieux, vous voyez, hein, beaucoup plus simple. Alors par contre je suis nul en anglais, donc je sais pas tout ce qui est écrit. L'attaque je comprends. Le cool de c'est pour le rechargement rapide je pense. Ça c'est le nombre de d'améliorations que j'ai fait dedans. Vous voyez, hein. Le kunai vous détruisez presque tout. Ah j'ai beaucoup plus vite. Retirer, c'est beaucoup mieux. Hein. Un deuxième. Je pense que ça veut dire un deuxième, ça serait pas mal. Voyons voir. Ah ouais, deux. Ah, cool. Vous mettez ces deux pouvoirs là. Le kunai et... Ça c'est rechargé plus rapidement, non? Non. Ah, ils sont plus longs. Ils sont plus longs. Ah oui, largement mieux. Ça, si je m'en mets trois, ça met toute la ligne. Oh, et après l'autre, ça fait pas grand chose. Ça. Oh, ça étude direct. Trop facile. Oh oui. Tiens, prends tout ça. Tue tout le monde. Trop facile. Et voilà. Juste avec ça, vous avez vu comment je monte vite. Et donc vous, il faudra regarder le double, continuer là-dessus. Voilà.
regardez les vidéos. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus sur les vidéos et à cocher la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne game et bon jeu à vous si vous le faites. Ciao, ciao.